Hello! Je vais vous faire un petit room tour de la chambre. Alors, petit écran, petit bureau, tous les petits lignes ici. Oh, c'est vraiment sympa la vue. Ça fait très Paris. Ça fait très Instagram. Petite fleur. Ça, c'est le restaurant. Et c'est là où on a un petit déj du coup. Non ? Mmh. Du coup, on a une petite bouteille de champagne. Donc on profitera de ça, je sais pas quand, parce que les glaçons vont peut-être fondre après, non ? Ben maintenant. Ben ouais. Et. Sympa ! C'est trop beau, hein ? On va pouvoir mettre notre peignoir et nos pantoufles. Tu kiffes trop ça. Ah, c'est cool. Hein. C'est super bien fait. On a reçu un cadeau. Donc, faut savoir qu'on est ici à Paris grâce à Coca-Cola, comme je suis ambassadrice. Nous allons faire un petit week-end pour la Saint-Valentin. On va découvrir ce qu'ils nous vont faire. On a des t-shirts, trop bien. Il y a un t-shirt pour toi et un t-shirt pour moi. Le S et le M. Même c'est pour toi et c'est Coca-Cola et cuisse de grenouille. Oui, un prix Saint-Germain comme ça. Et derrière il y a le logo Coca-Cola. Trop fort. Ben voilà, maintenant on va prendre la bouteille. Hein. Wouhou, champagne maintenant. Montre-nous ton talon. Jeffrey, remets-nous des glaces. Clairement. Astuce, on ouvre une bouteille de champagne. C'est toujours bien de le faire quand elle est bien fraîche, parce que plus une bouteille de champagne sera tempérée, plus elle va mousser à l'ouverture. Donc voilà. Non mais regardez-moi ça, c'est trop beau couloir. Attention, l'ascenseur est là. Et il y a du soleil, hein, j'ai mis mes petites lunettes. C'est avant de faire des photos en même temps. Putain, des photos en même temps. Putain. Petit déj demain. Hey. On va voir l'air ou ça? Ouais, un peu. Hein? Un peu. C'est par où? Mais le GPS, ce sera mieux, je crois. Mes lunettes, elles ont pas l'air de travers. J'ai l'impression qu'elles sont sur le quinquet, comme on dit chez nous. Let's go. Tu l'as trouvé comment, le café? Il est bon? Chaud café. On va regarder le prix du café ensemble. C'est lourd. Tu peux goûter ça? Alessandro fait son shopping. Hein? Quoi? C'est un peu court, non? J'ai l'impression. Hein. Regardez-le. Il est pire que moi. Là, on est aux Champs-Élysées. Regardez. On a eu un peu la galère parce que il y avait des manifestations. Du coup, les métros étaient fermés. On a réussi quand même à venir jusqu'ici sans trop de mal. Donc, pour se déplacer, on a pris des tickets de métro simplement. Mais on aimerait bien prendre une petite trottinette pour tester. Mais par contre, j'ai pas trop envie de tester où il y a de la circulation parce que je suis pas quelqu'un de très prudente. Regardez, on voit la tour Eiffel derrière nous. C'était le meilleur restaurant de ta ville. Petit rooftop. Un rooftop de merde. On s'en souviendra, mon dieu.
Mais tu m'étonnes. Si une fois vous voulez une charcuterie à 26 euros, faut venir chez Jean. Mais c'est même... Avec deux feuilles de roquette. Scooby-Doo-Bidou. Tu nous fais une autre fille tout the day? T'es beau. Elle est où? C'est bon? Qui a la valise la plus lourde? Voilà, on va rendre la chambre. C'était trop cool, hein, de découvrir cet hôtel. Par contre, les ascenseurs sont fermés parce que hier, ça a duré jusqu'au moins 2h du matin. Au moins pendant 3-4 heures, des gens sont restés bloqués dans l'ascenseur. Quand on est arrivé, il s'est bloqué. Donc, à quelques secondes près, c'était nous, quoi. Ah, entendu pendant des heures que l'ascenseur était en panne. Merci pour la lumière. Et maintenant, on va devoir descendre tous les escaliers avec nos valises à la main puisque les ascenseurs sont en panne. Youhou. En plus, j'avais déjà filmé. Bon. Petit look du jour. Très rapide, vous voyez. Je vous montre pas, hein, les ascenseurs sont hors service. Hello. Hello. J'ai oublié de montrer le plat avant de le manger. J'avais trop envie de goûter. Du coup, bah voilà le résultat. Voilà le résultat. On a mangé au Pink Mama, juste là, et on vous le recommande à 100%. C'était trop délicieux, trop. C'est un super restaurant. Ouais, franchement, on en peut. Et pas cher du tout pour ce que c'est. Ouais, pas cher. Ils en profitent pas parce que c'est Paris. C'est un plat rempli de truffes à 10€. Ouais, hier j'ai eu 5 raviolis à 30€, quoi. Pour te dire. Prêt pour faire la trottinette? Chacun une trottinette. Parce qu'il a quand même 50 minutes à pied normalement, tu vois. Que de péripéties depuis la dernière fois que je vous ai vlogué. En fait, on a cherché pendant je sais pas combien de temps après une trottinette. On en a scanné une cinquantaine et il n'y en avait aucune, mais aucune qui était disponible. Elles étaient toutes déchargées. Enfin, vraiment, c'était trop bizarre. On en a scanné blindé, quoi, donc voilà. Et sur l'application, dès qu'on envoyait une de disponible, c'était impossible de la prendre parce que la personne la prenait avant ou après, elle était plus dispo sur l'application, bref. Donc, on testera le... Comment c'était? Limon, c'est ça? Limon? Lime. Lime? On testera lime. Trottinette. À Madrid plutôt qu'à Paris. En tout cas, à Paris, je ne vous le recommande pas du tout parce que c'était vraiment une catastrophe. Voilà. Par contre, là, on est à la gare, donc je ne sais pas si vous allez vraiment bien m'entendre. Mais on retourne. Voilà pour les petites aventures de ce week-end. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.